Du coup, je suis obligée d'utiliser le petit portable. J'espère qu'on m'entend bien parce qu'il est quand même assez éloigné. Oh, ça va. Un peu fatiguée, mais ça passe. J'espère pouvoir continuer un peu plus aujourd'hui. Alors, on était à l'interlude. C'est plus ce qu'on devait faire. Pour une fois, je suis à l'heure en plus. Ok. J'ai pas vu ça. C'est le baquet qu'on a gagné? Whatever. Du coup. Oui, alors, au niveau des... Comment dire? Des quêtes annexes. Celle-ci, je vais vraiment avoir du mal à la faire. Parce que le temps que j'arrive à me mettre en poussée, les ennemis sont déjà morts. Donc, je sais pas si ça sera possible. Par contre, pas cuileux, je pense que je pourrais en choper un. Je vais voir ça tout de suite. Oui, c'est ça. Pas cuileux. Je vais choper un Kikuchiba. On va aller se les choper vite fait, au moins faire cette quête-là. Vu qu'on a la possibilité d'être avec Anabi. Donc on va aller faire ça tout de suite. Ça va, tu m'entends bien? Et bah. Va faire toute la zone de toute façon, jusqu'à ce qu'on les trouve. Donc cette semaine encore, avec les beaux-parents, ça va être des horaires assez variables. Donc bah, si je coupe un peu plus tôt, vraiment désolée. En plus, j'arrive pas à fermer les plaies, ça m'énerve un peu. Mais bon, je vais essayer de rattraper ça, surtout que maintenant j'en fais quatre différents. Donc j'aime me mettre des bâtons dans les roues. Ok, super. J'avais un peu peur. Oups. Ouais, donc eux, en attendant d'avoir la poussée instantanée, j'arriverai pas à les faire, sauf s'ils sont. Beaucoup plus fort. Un peu dommage d'ailleurs. Mais bon, c'est les aléas du New Game Plus. Sur ma partie Let's Play, si j'arrive à la faire, je crois que je vais mettre en partie normale et faire tout comme si j'étais ben, au tout début du jeu. Sans les. Comment on appelle ça? Les techniques. À fond, etc. etc. Oh. Wow, ma tête. Qu'est-ce que... Lapin. Jumper. Ah, ce lapin, je te jure. Aïe. Ah bah oui, bah tiens, attends, je mets pause. Tu vas voir. Tu vas enfin pouvoir le voir. S'il arrête de faire des bêtises. Où est-ce qu'il est? Ah mais non, j'ai pas allumé. Ah, fourche. Je vais essayer de mettre la bunny cam. Si mon lapin veut bien rester. Ah, où il est? Parce qu'ils ont tendance à, dès que la bunny cam est allumée, de s'éclipser de la pièce. Et de revenir quand je stream plus. Ah ben super, là on le voit pas. Génial. Il est juste en face de moi. Mais au moins je vais le mettre comme ça. S'il passe devant la caméra, tu le verras peut-être. Attends, hein. Mais ça c'était pas prévu. Je vais mettre ça. Reviens ici.
Ok, là tu le vois. Là. Là et. Voilà, à un moment donné, peut-être tu le verras passer. C'est Jumper qui est ici. Ah, du coup. Comment ça? Pendant la pyrokinésie via le sac, la pluie battait deux ennemis de flap huileux. Bah, ce que je viens de faire. Voilà. Bon, pardon. Ah, c'est flaque bileux cela. Ok, d'accord. Comment ça va? Ça fait longtemps. Il va bien? Mince, j'ai utilisé ça sans utiliser un soin sans faire exprès. Oups, rip le défi. Ah ouais? Bah, j'espère qu'il va mieux plonger, ça. Agaçant. J'aime pas les ennemis volants dans les jeux vidéo. Je déteste ça. Déjà, j'aime pas. Qu'est-ce que tu fais, Lapinou? Déjà, j'aime pas les insectes volants dans la vie réelle. Mais alors, dans les jeux vidéo, laisse tomber, quoi. Oh, je vais peut-être pouvoir en tuer au moins un. Non. Le temps que j'arrive à ma pousser, ils seront déjà morts. Vraiment dommage. Le plus dommage, c'est que je peux pas garder la poussée cérébrale. La jauge de poussée cérébrale quand je change de zone. Ça, c'est normal. Ça, c'est dommage. Bah oui, hein. Après, il y en a que tu peux ré récupérer pas trop cher. Vous avez des trucs derrière. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être en choper un avec la poussée cérébrale. Please. Ah. Non mais sérieux, il meurt juste avant, quoi. Va voir, je vais avoir la poussée cérébrale sur des trucs complètement inutiles. Ah, c'est d'un agaçant. Voilà, poussée cérébrale, super. T'aurais pas pu t'activer juste avant, saloperie. Ah là là là. Y a rien qui va. Jamais rien qui va. Tiens, crève. Comment ça t'es pas mort? Un fail. Un fail. Un fail. Ah, je déteste les ennemis là. Vas-y. Vas-y, meurs. Nom de Dieu. Voilà. C'est pour moi, lapin. Normalement, vous devez le voir, là, le lapin. Il a décidé d'être fripon aujourd'hui. Rien sur mon truc.
Ok, amuse-toi bien. De toute façon, normalement, j'essaierai de rester un maximum de temps possible. Mais comme j'ai dit, comme les beaux-parents sont dans la région, c'est un peu compliqué. Les horaires sont assez variables. Enfin, en plus, je vais reprendre l'équitation, je peux comprendre ce qui se passe. Pas encore des années. Vous êtes d'un agace. Aïe, aïe. J'en fais depuis l'âge de 7 ans. Et suite à une prescription entre guillemets médicale, en gros j'ai eu plusieurs accidents, dont un a failli me coûter le genou. Mais moi je voulais continuer. Mais en fait, le médecin m'a diagnostiqué une scoliose. Et suite à ça, il a germé une graine dans le cerveau de mon père en disant l'équitation c'est pas bien pour votre fille. Et du coup, mon père m'a plus ou moins forcé à arrêter et j'ai pas su le reprendre jusqu'à récemment en fait. Puisque maintenant je peux payer mes cours moi-même et j'en ai trouvé un qui était pas trop loin et il a l'air assez sympathique. Quand j'habitais à Bruxelles, c'était beaucoup trop cher, en plus il y avait rarement pour les adultes et moi je voulais re vraiment reprendre depuis la base. J'étais jusqu'à mon étrier d'argent, en fait, ce qui correspond plus ou moins au galop 2. Enfin, nous, c'est étrier de bronze, étrier d'argent, étrier d'or. Puis t'as galop 1, galop 2, galop 3, galop 4. Je sais pas comment c'est en France. Mais moi, j'avais réussi à aller jusqu'à mon étrier d'argent et j'aurais pu avoir mon étrier d'or si je n'avais pas eu ce petit souci. Bah déjà, pendant une semaine, on a un stage où on garde, enfin, on a souvent des changements de chevaux, mais la plupart du temps, c'est toujours le même. Et comme par hasard, le dernier jour, on me donne un cheval que j'ai jamais monté toute la semaine. Et en plus de ça, avec une selle qui glissait. En fait, elle avait un garrot hyper bas, non marqué. Et du coup, la selle n'arrêtait pas de passer sur son encolure. Donc, j'ai raté le saut d'obstacle, j'ai raté le dressage. Enfin, j'ai mis 3 heures pour le dressage parce que j'arrivais pas à rester sur place, quoi. Il y avait la selle, n'arrêtait pas d'avancer. Du coup, ça m'a coûté mon étrier d'or. Bon, à la base, j'allais pas pour ça, mais bon, ça m'a un peu fait chier. J'avais un peu, en regardant de maintenant à avant, j'avais un peu l'impression qu'on m'avait foutu dans la merde exprès. En fait, j'ai souvent l'impression qu'on me foutait dans la merde exprès. Attends, non, moi j'ai pas encore mon propre cheval. Un jour peut-être que je l'aurai en attendant. Moi, si j'arrive ne serait-ce qu'à monter un minimum, je serais déjà contente. Et ouais, j'aimerais bien pouvoir me contenter. Sachant que c'est le seul sport que j'apprécie. Évidemment. Ah là, ils vont encore mourir avant que j'aie ma poussée cérébrale. Ah, ça m'énerve. Ouais, j'en ai eu des accidents d'équitation. Dont un m'a donné des séquelles d'ailleurs. Enfin, des séquelles. Entre guillemets. J'ai toujours eu. On m'a jamais donné des gentils chevaux. Enfin, c'est pas la faute du cheval, mais j'ai toujours l'impression qu'on m'a donné le cheval qui voulait pas travailler ce jour-là, tu vois. Littéralement. Et celui-là qui a failli me coûter le genou, ben en fait, au galop, enfin au trot et au galop, il n'arrêtait pas d'aller vers la piste extérieure. Quoi que je fasse, il arrêtait pas d'aller sur l'extérieur. Et tu sais, en piste intérieure, t'as des gros poteaux dans les bulles, tu vois.
Et ben, tu imagines ça au galop, je m'en prenais 5 d'affilée sous ma jambe, quoi. Du coup, ah, 7 ans? Bon, ça va encore, sachant qu'ils peuvent vivre jusqu'à 35. Et du coup, j'arrêtais pas de me prendre ces poteaux et tout. Et quoi que je fasse, enfin, quoi que je faisais, il n'y avait rien qui changeait. Et la monitrice, elle ne bougeait pas de sa chaise, quoi. Elle ne m'expliquait pas comment je pouvais éviter ce problème. À un moment, bah, c'était genre la cinquième fois que je me prenais 5 poteaux d'affilée. J'ai eu hyper mal. La dame qui m'accompagnait pour essayer, entre guillemets, de retenir mon cheval, ben, ça ne servait à rien. Et elle m'a amenée au milieu. Moi, je dis non, c'est bon, je peux pas, je sens plus ma jambe, quoi. Et je suis descendue comme une patate de mon cheval et j'ai entendu la monitrice dire ouais, mais elle dirige ton cheval du mauvais côté. Mon père qui l'a engueulé en disant ouais, mais c'est à vous de vous montrer, vous bougez même pas votre cul de votre chaise, connasse. Enfin bref, il a dit tu rentres ici, tu viens, on va à l'hôpital directement. Un an plus tard, j'ai eu le ménisque pété. Super. Et depuis, ben, à chaque fois que je cours, par exemple, en fait, je peux plus courir parce que je vais avoir mal au genou. Et si je cours trop, ou si je fais un sprint, t'as le genou, il part à gauche ou à droite, quoi. Donc, voilà. Du coup, ben, je n'ose plus rien faire avec mon genou, quoi, parce que je sais que je dois le muscler, mais j'arrive pas. Dès que je fais quelque chose avec, c'est inflammation d'un des ligaments, que sais-je. Directement, là hier j'ai couru, mon genou il a inflammé quoi. Je te dire, je le sais déjà, je reconnais la douleur. Tu vois. Alors, c'est hop. Du coup, enfin bref, j'espère que je pourrai reprendre tranquillement l'équitation. Et j'aimerais bien avoir mon propre cheval aussi. Mais pour ça, faut que j'ai assez d'argent de côté et j'attendrai d'avoir d'abord ma maison et mon cheval et ma voiture pour pouvoir avant d'avoir un cheval parce que bah ça me ferait trop chier de le mettre en pension alors que j'aurai un adorable jardin hein, où il pourra tranquillement venir quoi. Et puis pour l'instant on va dire j'ai l'équivalent en microscopique avec mes lapins. Attends, parce que je dois aller où là? Tu où? Ok, c'est dans le sens inverse. Et aujourd'hui, on va aller me racheter des équipements d'équitation. Donc, je suis trop contente. Et il s'appelle comment ton cheval, by the way? Enfin, si je peux savoir. Et il est quelle couleur? C'est quelle race? Vas-y, dis-moi tout. Je veux tout savoir. Avant d'en avoir un, je veux être sûre de pouvoir bien m'en occuper. Avant de pouvoir m'en prendre un. Oh bah, les simples exercices, j'ai couru pendant 10 minutes, hein. J'ai juste fait l'aller-retour entre ma chambre et le salon, tu vois. J'ai rien fait de plus, hein. Après, j'ai fait quand même des squats histoire de muscler quand même un minimum les jambes. Aujourd'hui, je vais essayer de muscler mon dos. Parce que comme j'ai le dos cabré, ben pour la position sur le cheval, c'est hyper compliqué, quoi. J'ai vu une vidéo qui expliquait comment les personnes comme moi devaient se mettre. Ce qu'on m'avait jamais expliqué non plus. Du coup, je vais essayer de m'entraîner à avoir cette position naturellement, sans avoir besoin d'y réfléchir. Histoire que ça diminue mes douleurs, quoi. Mais bon, en fait, ne serait-ce que marcher jusqu'au Colruyt, ça me fait mal aux genoux, tu vois. Pour te dire à quel point. Du coup, il faut quand même que je force un peu, sinon je récupérerai jamais mes muscles, quoi. Oh, vas-y, vous êtes chiants. Seulement je pourrais vous tuer tous ensemble. Même pas. Alors pour ceux qui ont raté le petit épisode, on va dire, de hier, on a combattu un ennemi cheaté. Donc voilà.
Enfin, vous pouvez pas le battre, tout simplement, ce streaming. Cheaté. Vraiment de la triche d'être comme lui. Il ne mériterait même pas d'exister. Oh. Allez, vas-y, allez. Monsieur. Ah, je suis encore en poussée cérébrale alors que j'ai pas de l'ami cordial, quoi. Ça me casse les couilles. Picalili, et c'est un pur sang arabe avec une robe blanche à pois noirs et il fait 1,70 m au garrot. Oh. Moi, je sais que j'affectionne les frisons comme race, mais enfin, j'aime bien un peu tous les chevaux, mais si je vais choisir, j'arriverai pas à savoir. Je crois que je laisserai le feeling, prendrai n'importe lequel. Si je suis malade ou pas, je m'en occuperai quand même de toute façon. Puis comme c'est pas pour faire des compétitions, je vois pas l'intérêt de prendre un pédigré, quoi. Limite, j'irai peut-être au refuge pour en récupérer un. Voire même sauver un de l'abattoir. Si je peux en sauver un de l'abattoir, ça serait bien aussi. Youpsie! Aïe. Mais ils sont chouettes les purs sangs. Waouh. T'avais pas vu monsieur. C'est où monsieur? Monsieur. Attends. Hop là. Hop là. Hop là. Tiens. Ah. J'ai cru que j'allais le rater. Non, bon, ben, est-ce que j'ai eu la base de pourquoi j'étais venue ici? Oui, j'ai eu la base de pourquoi j'étais venue ici. Torche Prométhée. Faut vraiment que je me renseigne sur les arbres. Bon. Celle-là, elle va me déprimer, mais d'une de ses forces. Pas d'erreur. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Il y a des quêtes. Oh, la chance. Moi, j'ai jamais eu d'amis qui m'ont offert à cheval. J'ai même pas eu d'amis qui m'ont offert de lapin. Enfin, je me les offre moi-même, mais bon. Par contre, j'ai eu des amis qui m'ont offert des jeux, ça c'est... Pendant le combat contre l'eau tout à l'heure, j'étais bien trop faible, je ne pouvais rien faire, ça m'énerve tellement. Ok, en renforçant mon corps pour encaisser les attaques peut-être. Ouais. D'accord. D'accord. Du coup, tu veux quel autre? Oui, on va profiter tant qu'on a la scélérokinésie, machin chose là. J'arrive pas à le prononcer. Scélérokinésie, c'est ça? Ouais, bon, d'abord, je veux savoir c'est quel ennemi qu'on doit faire. Corde d'acier. Sabah ogre. On abattre un pendant la scélérokinésie. Sabah ogre. Sabah ogre. Alors ne lisez pas hein, si vous ne connaissez pas le jeu. Quartier de Mizuagawa. Okay. Quartier de Mizuagawa. Autre chose. Voilà, celui-là. Il y a aussi les lamies cordiales là, ici. Et ça te revient combien, toi, d'avoir un cheval? Tu loues un box ou tu l'as chez toi ou... Bon, combien ça coûte exactement? Parce que moi, je t'avoue, si j'ai envie d'en avoir un, je préfère avoir toutes les informations avant.
Improviser avec des lapins, c'est mieux qu'improviser avec un cheval. Même si je me suis renseignée, bien sûr, avant d'avoir mon propre lapin. Oups. Ah, je veux dire, déjà, le cheval, c'est pas rien au niveau coût, mais à l'entretien, plus ou moins. C'est qu'il y en a là aussi en fait. Je vous avais pas vu. Hein. Toute façon, ça revient au même. Oh, ok, c'est là. Ouh. Ok, d'accord. Ça t'a mis combien de temps pour construire le box? Moi, connaissant que c'est moi qui monte tout à la maison, je vais certainement, si je peux créer un truc, je vais certainement le faire moi-même. Donc ça m'intéresse. Je sais qu'au Décathlon, ils vendent des clôtures et tout ça. Après, il y a un youtubeur canadien qui... Enfin, lui, son but, c'est... Comment dire? C'est... En fait, il rééduque, il réhabilite, en fait, les chevaux qui ont des soucis. Et il essaye de sauver la race des chevaux sauvages du Canada, donc les BC Wildies. Donc les... Je crois que c'est... Comment il s'appelle? British Californian Wild Horse. Et je suis en train de regarder sa chaîne. Et franchement, les... Entre guillemets, les box qu'il a créé pour ses chevaux est assez intéressant. Ils sont en fait... Comment dire? Je vais essayer de t'envoyer le lien. Dès que j'ai fini ce combat. Mais en gros, ces chevaux restent en extérieur et il leur a construit un petit abri comme ça. Attends, je vais essayer de te montrer ça. Il est vraiment sympa en plus. Il est rigolo. Et il explique pas mal de choses que je savais pas. C'est. On voit sa page. Là. 3 jours, ça va encore. Moi, pour ma cage à hamster, on a mis 6 mois. En même temps, c'est parce que mon père était pas souvent disponible, mais 3 jours, ça va encore. En tout cas, lui, il est hyper sympa. Après, enfin voilà quoi, je m'y connais pas encore. Enfin, je suis pas une professionnelle, mais je trouve qu'il s'occupe assez bien de ses chevaux, surtout ces exercices qu'il fait en liberté. On voit vraiment qu'il a un lien avec chacun de ses chevaux et je trouve ça vraiment chouette. Moi, j'aimerais bien créer un lien avec mon cheval comme ça. De la même manière que je crée un lien avec mes lapins. Même s'il y en a une, elle est un peu... elle est un peu duchesse, on va dire.
Mais c'est qu'il y en avait plein ici. Oh, vite, 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 vite. Nice. J'en ai au moins un que j'ai tué. Mais attends, je les ai finis en fait. Mais bien, oui. Cool. Ah, c'est sympa ça. Mais dis donc, aurais-je fini ma quête que je pensais ne pas savoir finir? Mais oui, je l'ai fini. Ah, mais quelle chance! On va dire, rapporte. Débarrassons-nous de ça. Car votre inventaire est plein. Oh là là. Tant pis, j'en fous. Pas comme si j'allais utiliser. Ça fait du bien. Ben, du coup, cassons-nous. On n'a plus rien à faire ici. Voilà. Alors, mieux subi, on a été. Je vais voir s'il n'y en a pas une autre qui vient de pop. Oh, regarde quand tu veux. Et moi, j'aime bien le Canada. Mais je suis trop frileuse pour habiter là-bas. Là, tu vois, la chaise là où je suis, j'ai ma couette et tout. Alors, est-ce qu'il y a des quêtes? Non. Alors, c'est bon, on peut se barrer d'ici. Attends, c'est toi que j'en parlais et donner les codes? Ah bah oui, c'est toi. Ok. Alors, il y a un anime qui existe de Scarlet Nexus où, en fait, à un moment donné dans l'anime, on reçoit un code. Moi, personnellement, j'ai regardé le premier anime, enfin le premier épisode. J'ai pas compris comment le code apparaissait. Du coup, ça c'est donné, c'est elle qui le donne dans le message. Donc, si vous regardez l'anime, n'hésitez pas à me dire comment est-ce qu'on remarque ces codes. Ouais, Judy, c'est une duchesse, ouais. Elle vient que pour la boue. Bah, des fois, elle vient dormir à côté de moi, donc je suis trop contente. Mais elle fait un peu elle est devant les gens, c'est un peu ouais, c'est moi, je suis indépendante et tout. Et derrière, elle vient quand même prendre des petits câlins quand je caresse le Jumper, tu vois. Jumper, lui, par contre, c'est un vrai gros câlin. Il vient, parfois, il vient que pour les câlins, quoi. Il vient et je dis, elle vient, elle pousse ma jambe en disant, t'es dans mon passage, dégage, tu vois. Alors que c'est juste sa manière à elle que de demander de l'attention. Du coup, déterminée, passionnée par ce qu'elle fait, mais elle a parfois tendance à exagérer. Je me suis dit que c'était le cas quand elle m'a dit qu'un assassin la traquait. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en danger, pour autant, je m'inquiète de plus en plus chaque jour. Ok. Je vais vous envoyer son dernier message. Pouvez-vous essayer de savoir comment elle va pendant que vous vous occupez de sa demande? Elle n'a pas de famille, alors si elle a des ennuis, vous êtes la seule personne à pouvoir l'aider. Jumper, sors de là, tu vas te faire mal. Ah, ce lapin. Bah oui, maintenant qu'on a retiré les sommiers et tout derrière la porte, on a plein de place. On a plein de place et du coup, il arrête pas de friponner derrière. Vas-y. Tant pis. Je te vois, tu sais. Pas parce que tu bouges pas que je te vois pas. Hein. Viens ici. Pas parce que le balai est là qui s'est pas passé. Voilà, je te préfère là. Fripon. Ça, c'est mon jumper. Alors, un code servant à répondre à la demande de Mimi est caché dans chaque épisode de la série Scarlet Nexus. En regardant la série pour trouver et déchiffrer les codes, vous pouvez obtenir le mot de passe textuel, des fichiers secrets que Mimi a laissés. Vous devez donner ce mot de passe à Mitsubi dans le jeu. Mais comment on le voit?
Pour savoir quand et comment regarder la série, veuillez consulter la page d'accueil du site officiel de Scarlet Nexus. Je sais qu'il y en a trois qui existent pour l'instant. Je connais le premier, je pense. Je ne me souviens pas trop. Jumper. Et pour moi, c'est barré. Du coup, normalement, le premier, c'est... Oula. Je sais pas si... Merde, j'ai raté. Ah! Attends, je sais plus comment ça s'écrit. Donc, je disais... Ça s'écrit encore. Fail. Fail. Le fond de touche. Fire. Lia. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Ah, c'est pas le bon mot de passe. Je vais essayer en français. Je sais que c'est menteur. T'as le menteur peut-être? Ça. Je sais plus, tant pis. Il me semblait que c'était menteur, mais tant pis. Non, je vais me passer d'un deal. Tant pis. Pas besoin. Il me semblait que je l'avais déjà ouvert une fois. Bon, je revérifierai. Je sais qu'il y en a trois qui m'ont déjà été découverts. On a la planque, on a plus de catanex à récupérer. Ça va, le son du jeu bug pas parce que hier j'ai eu un souci avec mon AverMedia. On entend le son du jeu. On n'entend pas très bien, mais... Ok, je crois qu'on a parlé à tout le monde. Je vais juste sauvegarder. Oui. よし、それじゃあ、スオに出発しよう。渡るが心配。無事だといい。ねえ、カレン連隊長は反乱を起こしたんでしょ？ゲンマみたいにカレン連隊長についた海抜群もいるんだよね。うん。もしかしたらカレン連隊長もいるのかも。 もし出会っちゃったら、私たち、勝てるのかな？カレン連隊長は、強かった。
Septentrion dashi. Brain Eater. Karen Lentaichou no Brain Field o kuratta toki, karada ga keiren shita mitai ni furueta yo. Brain Field no tenkai hōhō wa kunren gakkō de mo osowatta kedo, fuka ga ōki sugite, jissen shiyō nanka dekinai to omotte ta. Sonna kiken na mono made tsukau tte koto wa, Karen Lentaichou wa sore dake honki da tte koto da yo na. それでも行かなくちゃ。そうだろ、ゲンマ。ああ、何が起きているのか、この目で確かめる。